Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Final Fantasy XIV. Pourquoi tu bouges, madame? Il faut calmer. Donc oui, on s'était laissé donc sur la fin de la quête avec le dragon, avec un nom un peu chelou. Il y a ce machin là, voilà. Qui veut nous aider pour taper son frère Nidhogg. On va éviter de perdre trop de temps parce que déjà que les cinématiques sont hyper longues. Si en plus on perd du temps en parlotte au début et à la fin, il y a des épisodes de 3 heures. C'était une intervention des mugs. Our negotiations proved rather more strenuous than I had anticipated, but the results seem well worth the effort. The battle was indeed hard won. Thank you, my friends. I would never have earned Hraesvelgr's cooperation had you not seen fit to grant me yours. 'Twas your stalwart heroism that moved the heart of the Great Worm at the last. Any gratitude I can offer is but poor reward for your continued service to Ishgard. T'would seem our final reckoning with the Dread Worm is at hand. I only wish we had some inkling as to when he means to strike. Maintenant. It has begun. We must away to Ishgard. Oui, il faut y aller. Alors, comme d'hab, de l'éther. Ah. On arrive au final qui est un peu relou. Bah. Tout ça pour une ligne de dialogue, quoi, s'il vous plaît. Bon, les TP là-bas, c'était vachement mieux en fait. Ah, parce que je l'ai assigné. Non. I must return to my city without delay. du PC, sérieusement. C'est tellement petit. Remember your training! We hold fast until the Lord Commander returns. We must hold. Parce que les dragons attaquent quand même toujours ce pont. Alors qu'en fait, ils peuvent très bien aller directement à la cité, ils veulent. By the fury, that one is the size of Nidhogg. Commander! You are late, Warrior of Light! Je t'emmerde. Cordialement. Voilà ce nom-là. School. Gods make in, Eskia in one ihe, Golun hikin hern esh. Sroskuan inna. His ingar a, liskol a. Nusgar akin, sus ul war. Attends, je me pose pour compter les points. Ah non, dragon, toi, quand j'arrive pas à prononcer le nom. Eh ben, quelle chance! En même temps qu'il me faut pour en parler, et vous avez directement un défi qui se lance. Mon staff est comment? On va raconter le médecin. Manière avancée de la foi. Bon, ils disent combien? Moins de 5 minutes? Ouais, la dernière fois c'était assez. C'est plutôt bien avancé. On est vite. Ouais, ça va aller. Et c'est reparti du coup. On a mis à peu près 40 ans à tag. Donc on va espérer que tout le monde accepte. Du coup, j'ai pris quelqu'un dans mon équipe, Monsieur Cano, j'ai réquisitionné. Non, non, DPS, tu fais pas ce coup-là. Ça serait cool. T'es en attente. Vas-y, lance, accepte, s'il te plaît. S'il te plaît, avant ce temps, je vais t'insulter. Ah non, j'y crois pas. Enfoiré de fils de chien. Merci. Heureusement, il y a des DPS un petit peu partout. Non, c'est une blague. Ah. Non, c'est le heal qui répond. Oh. Faut être patient. Allez, on est parti. Par contre, je vais dessiner ma vie, malheureusement. Non, désolé, Monsieur Cano. Top, avant de partir sur la cinématique, hey! Il a quand même été cool, il a attendu quand même que les amis viennent pour faire un match. Je crois qu'il va tout mettre ses boucliers, dirais-moi. Allez, deux d'extrême délicat, ouais, on est ravis. Qui est ici main tank? Est-ce que ce sera Monsieur Cano ou ce sera... Lundi, c'est Monsieur Cano. Alors, toi, tu vas pas me faire chier maintenant. Ça, faut esquiver. Ça, comme là, c'est pas bon. Voilà. Ça, alors, faut se mettre un coup. Là, c'est un coup de pied, je crois. C'est le cas. Je ne sais pas. Ensuite, c'est du basique, c'est pas mon plus extrême. Donc, ça devrait aller. Par contre, il serait cool que les gens arrêtent de prendre des cartes. Ouais, c'est super compliqué là. Ah. Alors, on esquive. On lance un chanson de Cano qui est pas parti assez vite. On avait oublié que le dragon repop en passant, en passant. Mais bah c'est bon, arrête de crier, on peut entendre. Écartez-vous. Alors, le but c'est de tanker à droite et à gauche. Du sang, Talosaur n'a aucune aggro. Donc le but c'est de pas laisser mourir le dragon, enfin la carpette. S'esquiver de devant cette saloperie. Parce que lui il ne rate pas. Donc, en fait, il faut esquiver de tout en gardant un œil sur cette merde. Voilà, genre pas comme ceux qui étaient là. Hein, le mage rouge. Et le mage blanc. Ah ouais, d'accord. Il faudra que tu fasses quelque chose. Hop. Un peu plus. L'autre. Ils ont en train d'attaquer la dinosaure, c'est une merde. Malheureusement qu'on est par l'extrême. C'est un peu si nous font envoyer là-dessus, on sait. Oh merde. Hop. Merde, trop tôt. J'avais oublié. Je suis sous couverture. Monsieur Canon a mis une couverture. Et peur, j'attrape froid. Là, je peux comprendre qui c'est qui le dit. Ma cible précaire, elle est là-haut, ça me saoule. On s'écarte. Non, tu viens pas sur moi, Yann. On esquive de tout. C'est là pour... Non, ça va plus de la chance. Ah, la technique. Coup de la cible, ça va le coup. Méga grand, méga terre, méga terre. Écartez-vous, essayez d'écouter les copains, c'est cool, merci. Les copains vous disent merci. Voilà, on va à côté de son pote. Voilà. On se barre. Je le sens très mal. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, ça marche. Ouais. Je crois qu'il est pas content. Écartez-vous, ne restez pas tendu. Alors bien sûr, ne faites pas comme tous ceux qui sont là-bas. Et monsieur Canon. Là par contre avant il va nous cibler, il faut tous s'y mettre dessus, sinon on meurt. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, pas comme ces espèces d'enfoirés qui sont un petit peu lâchement abandonnés. Si on en a un autre comme ça, on est mort. Je tenais à vous. Partez-vous. Bien fait. Maintenant, voilà. Lisez la queue. J'ai le heal secondaire. Est-ce que vous me donnez bien? Je sais pas. Genre... Voilà, merci. Heureusement que je l'ai aggro l'autre parce que... Le but n'est pas de te tuer, monsieur. Le but n'est de faire en sorte que... Alors, ça c'est simple, ça fait en fait des trucs en franc. Donc il faut que je mette à l'autre côté. Complètement. Et voilà ça. Les ailes. Et la queue. Les dragons sont des carpettes, mais là c'est vraiment des mages ronds. On est gentil, on dit merci, là si on arrache. Ah, petite équipe, voilà, c'est un truc qui fait... qui casse un peu tout par contre. Voilà. Là, je suis pareil. On honore un équipier, genre lui parce que les autres ils sont trop morts. Hop, et on dit au revoir. Voilà. On remercie grandement Monsieur Canon. Merci Monsieur Canon. Ah, j'ai reçu un honneur. Avec course aux honneurs, vous savez. Et maintenant, cinématique. Estinien! Is this to be mine end? Nay, I will not allow it. I am of the first brood. I am vengeance incarnate. I am Nidhogg. Thou shalt die by my hand. This is not your hand, worm! Thou wilt obey! I would ask one last favor of you, Warrior of Light. Finish me! Now, while I have the beast subdued! You waste your time! Kill me! It is the only way! Ending Nidhogg will be my final duty! No! You can't die like this! I won't let you! equipaje está maquinado. Cast them into the abyss! Ah ouais, du même côté, c'est la mort des effacements. He lives. Ah, Estinien, my ill-fated friend. Lucia, summon the healers. I want them ready to receive him. At once, Lord Commander. Allow me to do this much, at least. You have my gratitude, Hraesvelgr. Your deeds this day have saved a great many lives. I'll ooh and flee. Ustra udin in instra rael. Un an hesnesh. The battle is won. We can do no more for Estinien now than bear him home and wish him well, even as Hraesvelgr did. The rest we must trust to the hands of the healers and the grace of the gods. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah, Monsieur Cano, s'il veut participer, je le libère. Merci beaucoup. Tout le monde dit. On va les tuer. Ah, tu reviendras peut-être. Accepté. J'ai toujours pas passé 61. Où allons-nous? Au manoir des fortes. Ah non, même pas. Ah, vite au manoir, c'est pour ça. Oh, j'y ai cru. Je crois que si je passe par là, c'est plus rapide. Un petit sprint. Allez, pour me faire un épisode sympa. Il est mort. Alors, Estinien, pendant longtemps, je l'ai appelé Einstein parce que j'arrivais pas à dire Estinien. J'arrivais pas à lire son nom. Ah, ça, un jour, je saurais lire le nom du dragon, d'ailleurs. Peut-être. Pourquoi c'est possible? Regardez, Estinien, c'est pas... Je sais pas, c'est pas normal. Ah, ah, qu'est-ce que je disais? Au manoir des Fortans. Seul écoutez Alphinaud, on n'aurait même pas eu à se taper ce discours. Être ferait de borné, pas de soucis. Maintenant des Fortans, maintenant des Fortans. Ça discute sur Discord. Bienvenue, blablabla, d'un petit ça ferait un peu chelou quand même dit comme ça. Oh, génial. The heroes of the hour return. We but did our duty, my lord. It was the memories of fallen friends and not our heroism which saw us through at the last. I gave every ounce of my strength. Mine efforts would have counted for naught, had the Warrior of Light not arrived to challenge the Great Worm. As a sworn knight of Ishgard, I had hoped to do more for my city. Well, we cannot all be heroes, dear brother. Let us put away our pride for a moment and revel in the valiant deeds of our comrade. For your sterling service to Ishgard, we salute you. And while we're on the subject of valiant deeds, I believe I myself have earned some small measure of recognition. Under my watchful command, the ballistas of the Outer Ward struck down a veritable swarm of Dravanian invaders. My lord's command was certainly watchful. He bravely watched as the siege crews took aim, and continued to watch as countless wyverns met their end. Indeed, the ward's defenders proved so well drilled that my lord had little occasion to stop watching. There will be time enough to determine who is most deserving of recognition later. Our friends are doubtless weary from their exertions. I had chambers prepared in expectation of your return. You are welcome to retire at your leisure. I am most grateful for your hospitality, my lord, but I believe I shall pay a visit to the Temple Knights Infirmary. Pray excuse me. Our master Alphinaud has grown. The plight of his stricken brother in arms pains him more than his own hurts. In which respect he has come to resemble you, Warrior of Light. Go then, visit the Azure Dragoon, and grant him what comfort you may. On se casse. On fout ton hospitalité. Alors... alors du temps, ça me semblait. Hop. Je vais l'oublier. Pour ne pas changer. J'aime trop bien, c'est une zone quand même pour essayer de trouver où s'excuser, parce que tout... à la quête, en fait c'est juste là. Ouais. Ah, ça y est, on arrive à la fin, enfin. Tu dis en panique, mon dieu. Et puis ça devient une musique épique. What? Ah. Bon. Bah, j'espère que vous êtes bien assis. Allez chercher du popcorn. Vous avez voilà, quelques secondes. Comme ça, le temps que je lance. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Estinien. Cease your mewling, boy. It grates my ears. Forgive me. When I saw you awaken, I could not... It was such a relief. We feared you might never wake up. Now, Estinien. If Master Alphinaud thought any less of you, you would still be Nidhogg's plaything. Or dead. Aye, 'twas but a jest. I thank you, Alphinaud. And you too, Warrior of Light. Quite how you managed to persuade Hraesvelgr to aid in his brew brother's downfall I cannot imagine. But full glad am I that you did. Yet again, you have achieved the impossible. I, for my part, owe you an apology. When last we met, I did willingly loose an arrow at your heart. Can you forgive me? There is naught to forgive, Aymeric. You but acted in defense of Ishgard, as is your duty. Were you any less single-minded about it, I would not follow you into battle, nor trust you at my back. Besides, I had come to the selfsame conclusion that I would have to perish for Nidhogg to be stopped. So let us dispense with the hand-wringing. I have heard enough mewling for one day. Oh! The tendrils of Nidhogg's foul presence bound up every fiber of my being, usurping my senses, but I yet retained some trace of awareness. The worm's mind was as a vast and tumultuous sea. Endlessly its black waters churned, his grief and despair at Ratatoska's murder never calming, never receding. Driven by this surging current came wave upon wave of unrelenting rancor. It was the very image of my own heart. There I saw the dark reflection of the hatred I felt after Nidhogg slew my family, when no path remained save vengeance against dragonkind. Neither one of us had a choice. But I was blessed with something Nidhogg was not. Comrades and teachers to console and admonish me. Had I not had them to gainsay my obsession, it would surely have consumed me as Nidhogg's did him, and we would have been in all respects alike. Though his shade is banished, his spirit scattered upon the sea of clouds, I feel no joy at his passing. Where once I craved vengeance, I now crave rest. Lord Commander, my hunt is at an end. I would lay down the mantle of Azure Dragoon. My friend. He has tired himself with too many words. I doubt not that he will make a full recovery, but he must be allowed some few days of quiet. I too must see my path to its end. Sleep well, my friend. Following the battle with Nidhogg on the Steps of Faith, Sir Aymeric called an assembly that he might make his final proclamation as acting head of state. Twas there, with one decree that the 1,000-year rule of the archbishops was ended, paving the way for a new republic. The governance of Ishgard would now be placed in the hands of high and lowborn alike, their ranks represented by the newly founded House of Lords and House of Commons. Church was separated from state. The foundation for change had been carefully laid, and the reforms proposed by Ishgard's new government passed into law without incident. His duty done, Aymeric de Borel gladly stepped down from the Archbishop's dais, only to be raised unto the highest seat in the House of Lords. Though he strove at first to refuse this honor, the unexpectedly strident voice of the Count de Dorandaire left him little choice but to accept. And so it was that the winds of gentle revolution came to stir. Prominent among the many honoured guests at Sir Aymeric's investiture were the ambassadors of Dragonkind, a fitting symbol of Ishgard's newfound peace. The people looked on in awe as he soared through the heavens on dragonback, and by their cheers did they hail him an Azure Dragoon for a new age. Thus were the notes of the dragon song rewritten, the din of war giving way to a rising litany of peace and hope. Ah, le diadème, le truc à foncer des couilles, je suis débloqué ici. Pirate des cieux, oula le raid. Je vais le prendre juste, parce que sinon je vais oublier. Voilà. Parce qu'il faut que j'aille. Ah oui. À pied, bien entendu. Alors je sais que ça va être plus long que la norme. Parce que j'aurais peut-être fait des coupures, je sais pas combien de temps on en est. Il y a des coupures entre le moment où on attendait pour la déconnexion, c'est un peu vrai. Ou le pouf pouf en début de cinématique. Ouais, je vais toujours rentrer encore une fois. Et puis vu l'heure qu'il est, je vais pas tarder, hein, il va falloir pour se quitter, se dire adieu pour cette session d'enregistrement, bien entendu. Alors, un Aymeric miniature, le Road Song et le manteau Ishgard. À la limite, ça j'en serais passé. Ah, c'est cool ça. Le cahier des ténèbres, là. Il est toujours là. C'est donc la fin de Heavensward. Alors du coup je vais juste lancer la quête suivante. On la prendra pour la prochaine fois. Ça va commencer à faire long. Si je n'ai rien à me mettre, ça sera avec un film. Voilà. Donc, ce sont ces grandes paroles et ces longues cinématiques, encore et toujours, que nous arrêtons. Hop. on se dit du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures en Eorzea. Allez, bye bye.